C'est quoi ces pylônes? Ah, c'est pour du téléphérique, du télécabine. Ça sert à quoi? Oh, bah, du transport de personnes, support de câbles, ça veut dire des gares, des pylônes. Pays merveilleux! Ah, bah, ça va partout, ça va partout dans le monde. Ah, c'est possible d'avoir un sapin de Noël? Oui, pas de problème. Le Morvan est leader. Ici, nous produisons plus de 300 000 sapins de Noël par an. De l'air, de l'eau, des petits, des gros. Et ils vont où, ces réservoirs? Beaucoup en France, mais aussi en Inde, en Arabie Saoudite. Ça, c'est du Douglas de l'Autunois Morvan. Le bois rentre ici. Ça sort, fini. Ah, 35 000 mètres cubes transformés par an. Bardage extérieur, maison passive et ossature bois. Bienvenue au petit coin de paradis, je vous présente mes deux chalets que je loue dans l'Autunois à Morvan pour vous, les vacanciers. Mes chalets sont labellisés Gîtes de France et bienvenue à la ferme. Mes gîtes sont au cœur de mon exploitation où j'élève 90 vaches charolaises. Du malt blanc, malt ambré, du malt torréfié, un petit peu de houblon. Vous fabriquez de la bière? De la bonne bière dans l'Autunois Morvan. Tolix, c'est ici dans l'Autunois. 100 000 sièges expédiés dans le monde entier, en France bien sûr, en Europe, Brésil, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, États-Unis, Émirats, etc., etc. C'est design, c'est déco, c'est tendance et c'est Tolix. Uh-huh. 27 000 heures de câblage d'armoires électriques destinées à l'industrie. 40 techniciens et ingénieurs, 37 000 heures d'études par an. Nos produits vont 50% en France, 50% à l'export. C'était un toit. C'est une terrasse. Voilà une belle terrasse végétalisée. Je croyais que vous étiez maçon. Les artisans de l'Autunois Morvan font plein de choses. Du bon bœuf charolais. Du cochon extra. De jolis moutons. Abattage traditionnel ou rituel. La bonne viande passe par nous. Une race. Un environnement, des savoir-faire. AOC Bœuf de Charolles. Bien entendu, monsieur. Un terroir. Des collants, des mi-bas. Nous sommes leaders français, nous exportons dans toute l'Europe, au Canada, en Russie. 60 millions de paires par an.